Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dégustation de produits japonais. Voilà, une petite boîte avec plein de choses dedans. Voilà, trop mignon, plein de petits trucs. Cette vidéo va être spéciale parce qu'elle va être coupée en deux. Donc la première partie aujourd'hui et la deuxième dimanche je pense. Dimanche à 18h, c'est pas mal ça. Voilà, comme ça vous avez les deux parties rapprochées et puis ça sera pas trop long pour vous parce qu'il y a 40 choses là-dedans. Donc on va faire moite-moite. Mais il y a des trucs qui se ressemblent beaucoup. Donc j'ai peut-être pas tout goûté, mais je vais quand même faire une deuxième partie. Donc j'ai fait mon petit tri, je séparais en deux, comme ça on est tranquille. Je voulais juste vous montrer qu'en fait j'ai plein de trucs dans le genre. C'est un peu la même chose, vous voyez, donc je pense que je vais pas tout goûter. Je vais en goûter un aujourd'hui et un dans la prochaine partie je pense, parce que je pense que ça a aucun intérêt de tout goûter. Ils se ressemblent tous, je sais pas. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par le premier truc. Sincèrement, ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur. Hein. Quand vous voyez des trucs dans le genre, là. Attendez, des trucs comme ça, là. En quelle année? Et des trucs vraiment, vraiment bizarres. Mais je crois que le pire que j'ai vu qui était bizarre, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas. C'est du sucré et du salé, hein, donc je sais pas comment attendre. Hein. Vraiment. Bon. Et eh ben écoutez, on va commencer par ça. C'est un petit nounours. J'ai peur. J'ai très peur. Très très peur. Voilà, donc on ouvre, ça se présente comme ça. Ils font flipper avec leur packaging de médicaments là. Oh, ça sent hyper bon. Comment ça sort? Bah, ça sort pas, c'est normal. Ah voilà. Ah ouais, c'est un peu collé. Je pense qu'il fait un peu trop chaud chez moi. C'est bon. C'est chimique à mort. C'est acide. Un peu citronné. Mais franchement, super bon. Déjà, ça, ça passe. Je voulais vous dire, désolé pour la luminosité, mais il fait pas beau du tout. Genre, c'est gris. Il va pleuvoir, je pense. Donc, désolé si la lumière n'est pas ouf. Alors, le prochain truc encore chelou là. Voilà ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais je m'attendais à tout sauf à ça moi en fait. Je pensais que c'était un bonbon dedans. Attendez, regardez. Oh, attends. On dirait des nouilles grillées. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Oh, ça sent le KFC. Ça sent les Thunders. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir un Thunders dans les mains. Bon, bah go. Hein. Déjà de base, c'est chelou de manger des nouilles comme ça, mais c'est hyper bon. Vraiment. Les Japonais, ils me déçoivent pas là pour l'instant. Super bon. On en fout un peu de partout, mais super bon. Assez long, hein. Vous essayez de pas s'étouffer avec. Ensuite. Ensuite. Bah écoutez. Il y a un truc encore chelou, un peu pareil.
Oh là là, déjà ça part mal. Pourquoi j'ai du papier? Non, ça s'ouvre. Ah. Qu'est-ce que c'est? Mais franchement, vu que je comprends pas le japonais, bah je sais pas ce qu'il y a écrit sur les... sur les packaging, du coup je sais pas à quoi m'attendre quand j'ouvre les emballages. Et là je tombe sur quoi? Je vais essayer de pas faire tomber par terre, mais voilà. Voilà, voilà. C'est des billes quoi. J'ai peur. Je sais pas à quoi m'attendre. Allez. Ah non, en fait. J'analyse. Alors, ça, c'est des billes de sucre. Ça a la texture de... Vous savez, les colliers de bonbons, là. La même texture. Mais... avec un goût de médicament bizarre. C'est vraiment bizarre. J'en mangerai pas tous les jours, quoi. Alors, un petit paquet comme ça. Alors j'en ai un autre dans le carton, mais plus gros. Alors je pense que c'est pas la même chose dedans. J'ai l'impression que c'est plein de bouboules dedans. Ah ouais. C'est bizarre, on dirait des trucs pour oiseaux. Regardez, si vous voyez bien. On dirait des bouts de pain. Ça fait flipper leur machin. Mmh. Oh si, c'est bon. C'est du... Mais en fait, ça a goût de pain, c'est du pain grillé. Ça a goût de pain, clairement. Du pain grillé. Vraiment. Ça a un peu aucun intérêt. Mais bon. C'est quand même bon. Hein. Ensuite, un petit panda. Pandaro. Ça a l'air d'être un biscuit. C'est un biscuit en forme de panda. Voilà. J'ai mangé une petite oreille. Voilà. C'est un petit beurre quoi. Pas un petit beurre mal fait quoi. Bof. C'est pas trop mon truc. Peut-être avec du Nutella dessus je le mangerai. Ça va, j'en ai, donc j'irai après le manger. Ouais, parce que là, clairement, je rentre du travail et c'est mon petit déjeuner. J'ai pas mangé. Voilà, il est quelle heure? Je vois pas. Je crois qu'il est 9h. Bon, du coup, en voulant aller voir l'heure, ça a coupé la caméra. Mais il est 8h43. Voilà, je sais pas si ça t'intéresse. En vrai, je suis là, je cherche l'heure et tout. Mais s'il faut, vous en avez rien à battre, en fait. Non, mais... tout va bien. Alors... je crois que je vais finir par les trucs qui me font peur à la fin. Vraiment. Vraiment trop trop peur. Alors. Bah ça me fait peur mais bon. On dirait une part de gâteau. Franchement j'ai peur, ça a l'air écœurant. On dirait que c'est au chocolat, chocolat blanc. Et fraises. Oh non, j'aime pas. Ouais, c'est un peu galère en vrai. Ah non, c'est du chocolat. J'aime pas le chocolat. Mais je vais quand même goûter pour vous, hein, parce que je sais quand même reconnaître les chocolats bons, mais c'est pas mon kiff, ou les chocolats vraiment mauvais. Hein. Ah, rien que l'odeur. Mais c'est au café, ça, c'est pas possible. Ah ouais, non.
Non. Non. C'est définitivement non. Ah, c'est affreux. Affreux, affreux. Ça dirait de passer à autre chose. On dirait une pastille. Oh, c'est dur, je vais mettre ma vie à le manger. Je crois que je vais manger ça à la fin. Ça, l'ananas, c'est tout ce que je dis. Je mangerai ça à la fin. Alors, je vais passer par ça. C'est un peu comme en France, enfin en France, un peu partout. On dirait les pièces en chocolat. Bah, du coup, j'ai peur du chocolat. Ah oui, c'est une pièce au chocolat. J'espère qu'elle est bonne, celle-là. Voilà, ça ressemble à ça, une pièce en chocolat. Ça a pas trop de goût. Ça va. C'est passable. C'est pas le meilleur chocolat du monde, hein, loin de là. Mais c'est passable. Du coup, j'ai hyper soif. Je vais passer à ça. C'est une guimauve. Mais je sais pas à quoi aller. Je sais pas. J'en ai d'autres. De toute façon, on va les déguster ensemble. Dans le carton. Mais ah, on dirait un mochi. Regardez. Il y a vraiment comme les mochis là, de la maïzena. Trop bizarre. Par contre, c'est vraiment la texture. C'est incroyable. Je sais pas si on voit bien, ça fera pas le focus. Vous voyez? Trop bizarre. Ça, c'est quand j'aime vraiment pas. Regardez, il y a ça à l'intérieur là. Oh non. Vous voyez la crème dans les îles flottantes là? Et bah, l'intérieur, ça se goûte là. Et en fait, là, ça m'a l'air d'être un flan qu'il y a là. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le goût de flan. Mais j'espère que les autres ils seront meilleurs. Hein. Parce que. Affreux. Hein. Ceux qui aiment l'île flottante, franchement, c'est une île flottante. Hein. Ni plus ni moins, mais dur. Donc franchement, je pense que vous devriez aimer. Mais moi, j'aime pas les îles flottantes, donc ça passe pas. Je vais tester ça. C'est hyper léger. Est-ce qu'il écrit le grammage? Vous vous rendiez compte? C'est écrit en chinois, bien sûr. Enfin, en japonais. Un grammage. 6 grammes. 6 grammes. Pour vous dire à quel point c'est léger. Ah, c'est un truc soufflé. Ça a l'air d'être un truc salé. Regardez. Je mangerai le reste après. Je vais pas tout manger, mais c'est pour ça que c'est léger. Ça a l'air bon. Ah ouais, ça a l'air méga bon. Une tuerie. Oh là là. Une tuerie. C'est au maïs. Il y a écrit corn potage. C'est au maïs. C'est super bon. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous mettrai le lien de la box en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Elle m'a pas coûté bien cher. Et ce qui est bien, c'est que c'est plein de petits trucs. Vraiment comme ça, des petits trucs. Donc on gâche pas si on n'aime pas. Ça qui est bien, parce que si on prend des grosses choses, des gros paquets et qu'on n'aime pas, au final on est obligé de jeter et pas ouf quoi. Que là, c'est des petits trucs, c'est à déguster en une seule fois quasiment, sauf pour certains trucs, et franchement c'est cool. C'est cool, ça fait découvrir des choses. Alors, on va passer à ça. Un petit sachet avec des étoiles dedans. Et franchement, c'est méga bon le truc d'avant. Là, j'ai encore le goût en bouche, c'est un délire.
C'est pas du tout des étoiles en fait, on dirait des virus. C'est des billes de sucre, mais ça a aucun goût. C'est des billes de sucre, mais c'est aucun intérêt. Hein. Aucun intérêt. Ensuite, ça me fait peur. Vraiment plus, donc... Ouais, pas ça. Voilà, ça, je pense que c'est un truc au chocolat. Bon, il y a écrit Choco Snack, donc... Oui. Oh non, je sais pas si je vais aimer. C'est hyper léger, donc je pense que c'est un truc soufflé avec du chocolat autour, un peu comme avant. Voilà, ça se présente comme ça, très léger. J'ai peur. Si, c'est bon. C'est bon. Franchement, simple et efficace, c'est bon. Ensuite, on va passer à ça. Je vous avoue que on dirait. On dirait une cerise séchée. Je suis sûre, c'est ça. Une cerise séchée, je suis certaine. Franchement. Bon, déjà, c'est un fruit sec. Et j'aime pas les fruits secs. Mais ils ont mis quoi dedans? Ça pique. Enfin, c'est acide, quoi. C'est pas bon, hein. Ah non, non, c'est pas bon du tout. Mon estomac ne va rien comprendre. Il est dans le mal, le truc. Ensuite. Ah, vous voyez des têtes mémorables. Hein. Ah là, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc salé. Vu le truc, ça a l'air piquant. J'espère pas, hein. Je crains le piquant. Là, j'ai la caméra qui est mal mise. Je vous remets bien. C'était 1/2 mm. Oh. Ça sent bon, ça sent la viande. Ouais, ça ressemble à ça. C'est mou. C'est bon. Salé, ça a le goût de viande. C'est pas bon. Non, franchement, ça, ça enlève le goût du truc d'avant. Mmh. Je le savoure un peu. Avec mes sales bruits de bouche et mouvements de bouche. Alors. On va passer à ça. C'est une petite languette très fine. Je me demande ce que c'est. Ah, ça pue! Ah, j'ai ouvert, ça sent la crevette! Le poisson. Alors, ça, c'est vraiment spécial. Je l'ai ouvert, j'ai eu un élan de poisson. Regardez. Genre, c'est quoi ça? C'est une feuille, hein. J'ai peur, c'est salé ou c'est sucré? J'ai peur. Alors déjà, c'est bizarre à croquer, c'est bizarre à mâcher. Il est où le goût? J'arrive pas à le mâcher. On dirait du poulpe.
Alors j'adore le poulpe. Hein. Mais bon, à cette heure-ci, c'est un peu bizarre. Franchement, c'est pas ouf. Désolée, j'ai mis du temps à mâcher, mais c'est hyper dur à mâcher. C'est hyper dur à couper en deux et tout. Trop bizarre. Trop bizarre. Mais on dirait vraiment que c'est au poisson. Alors, je vais passer à ça. Voilà. Le packaging, c'est un peu flippé. Alors, il y a des... Il y a des... pardon, j'ai bugué. Il y a des roses et il y a des rouges. Je sais pas s'il y a une différence. Normalement, c'est censé être tout à la fraise. Alors, on va commencer par le rouge. Voilà. J'ai ouvert. Hein. C'est comme des cachets. Hein. Voilà, le rouge. Quand on le met dans la bouche, ça n'a aucun goût. Mais quand on croque, ça explose. Et vraiment, ça explose de goût de fraise chimique. Un peu... vous voyez les sucettes à la fraise lait, là. Et ben, c'est ça, mais fois 1000 dans la bouche. Et le rose, ça donne quoi? C'est différent. Lui, ça... Vraiment, ça a explosé dans ma bouche. Trop bizarre. Lui, on croque. Et il y a un truc dedans. Par contre, c'est écœurant en fraise. Ça m'écœure. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que regardez. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un petit plus. Et là, il y a un petit rond. Là, il y a un petit rond. Il y a des signes. Il y a des signes sous les trucs. Je sais pas si ça correspond réellement à quelque chose. Mais on les voit très difficilement sous les billes. Bizarre. Il reste trois choses. Voilà. Trois choses. Alors, on va continuer par ça. Voilà. Je crois que c'est un truc encore poisson ou je sais pas. Enfin, l'image on dirait crevette, mais ça a l'air bon. C'est une feuille. C'est une algue. À tout moment, c'est une algue. Ça colle. Déjà, ça colle. Oh, ça sent super bon. Oh là là, ça sent la sauce soja. C'est imbibé de sauce soja. C'est épicé. Franchement, comme les nouilles. Les nouilles chinoises. Par contre, c'est une feuille un peu bizarre à mâcher. Vous voyez comment je fais avec ma tête? Mais j'ai pas le choix. On dirait un animal qui arrache sa proie. Ouais. Mais franchement, ça va. C'est bon, mais je vois pas trop l'intérêt. Ils font vraiment des trucs chelous. Hein. En vrai, s'il faut, ils se disent la même chose pour nous. Hein. S'il faut, pour moi, manger des trucs chelous, hein, mais je vois pas quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de trucs chelous qu'on mange. Je sais pas. Aucune idée. Alors, je reviens. Je vais aller chercher un ciseau. J'en ai pas là. Parce que j'ai un truc, je crois qu'il faut couper au ciseau. Ah non, non, j'ai rien dit. Je reste là. Voilà, donc prochaine chose. Un truc comme ça, on dirait un fromage là. J'arrive pas à savoir si c'est périmé ou si c'est écrit à l'envers la date. Il y a écrit 21-09-09. Alors, soit c'est périmé depuis 2009, mais ça m'étonnerait. Soit ça périme le 9 septembre
2021, donc là quoi. Aucune idée. Ah non, mais c'est du fromage. C'est du fromage. Mais non, ça par contre. J'adore le fromage, mais pas comme ça là. En tout cas, ça sent le fromage. Hein. C'est pas du fromage comme fromage. C'est du fromage. C'est pas bon, c'est hyper salé. Vraiment, non. Non, en fait. Non. Déjà, en plus du fromage, c'est pas censé se garder au frais. Genre, ça vient du bout du monde dans un carton. S'il faut, ça a été à la chaleur dans des containers et tout. Puis chez moi, c'est quand même resté un moment dans le carton avant que je filme. Et il fait très chaud chez moi. Je vais pas en manger plus, j'ai pas envie d'être malade. Mais bon, on verra bien. Et le dernier, je pense que c'est un bonbon de la sélection de la première partie. J'ai eu peur. Par contre, ce reflet infernal, j'arriverai pas à vous l'enlever. Hein. C'est affreux. Voilà. Donc, je pense que c'est à l'ananas. Ça a l'air bon. Bon bah, j'ai fini le bonbon, hein. J'ai coupé parce que sinon ça allait beaucoup trop long. J'ai mis au moins 10 minutes, un quart d'heure là. Franchement, super bon, ça a vraiment le goût d'ananas. Et bon, j'adore l'ananas. Donc franchement ça va, ça dure longtemps. Bah là il y a un intérêt hein. Non, franchement ça va, il est pas mal. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Du moins cette partie là. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Je sais pas si je la filme direct après, encore comme ça, ou si je la filme demain. Je sais pas, je vais voir ma motivation. Voilà, soit je filme tout d'un coup, soit je vous le fais en plusieurs jours. De toute façon, je publie les deux parties. Donc jeudi comme d'habitude, aujourd'hui comme vous voyez la vidéo, à 18h. Et la prochaine, je vous la publierai pas jeudi prochain, mais dimanche. Voilà. Comme ça, vous avez les deux proches et c'est cool, quoi. Voilà. Ça évite de prendre deux semaines pour juste une dégustation, c'est bête. Mais du coup, jeudi prochain, vous aurez quand même une vidéo. Hein. C'est juste qu'il y aura une vidéo entre. Voilà, ça fait une de plus. Voilà, c'est cool. Oui, je reviens parce que j'ai répondu à un appel. Le travail qui m'appelle. Oui, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de goûter ces petites choses japonaises. J'avoue que ça fait peur, hein, mais franchement, je suis pas trop déçue. Il y a des trucs que j'aime pas, mais c'est mes goûts personnels. Et puis, par contre, le fromage, je comprendrai pas, mais faut pas chercher. Voilà. Donc on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, la deuxième partie du dégustation. Non, pas du dégustation, de la dégustation. Bye bye.